Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moi, je suis très content avec nous aujourd'hui, hein, sous page Facebook, moi, sous plateforme, non, devant écran téléphone, pour me capable faire nous comprendre les différents aspects de la crise politique haïtienne, qui l'a commencé, qui différents acteurs, qui occasionnaient pour mener nous à ce carrefour de non-retour. Nous sommes à quelques minutes, heures ou jours d'une nouvelle occupation étrangère sur notre terre natale pour comprendre ce qui se passe, ça peut arriver. Moi, invitez-nous jeudi à notre talk show, ça, l'heure de grandes décisions. Non pas c'est Amos Dubois-Rand. Mesdames, Messieurs, nous pas bien temps, il faut aller rapide, il faut aller bien. Nous prenons le débat, nous prenons le définir plusieurs points pour vous. Et nous prenons le retourner, feuille l'histoire nous, vers mois de juillet 1915. Occupation américaine. Dans ce moment, ça, tu as un mouvement qui était le CACO. Et le mouvement CACO, c'est un mouvement, d'une part, l'Itégon la donne un aspect de soulèvement, de résistance, de rébellion, mais l'Itégon aspect de criminalité la donne tout, parce que CACO rentrait dans un côté, yo volait, yo crasait, yo brisait, yo tuait. Mais l'Itégon tout, l'autre aspect, yo ta bataille tout contre oppresseurs. Et mouvement CACO, il a gagné plusieurs aspects. Il a gagné un aspect lutte émancipative pour Maslan, paysan, mais il a gagné un aspect de criminalité. Et secteur économique haïtien à l'époque, c'est lui-même qui t'a demandé occupation étrangère ça, parce que c'était un intérêt. Et nous prenons une occupation féroce de l'armée américaine sur la terre de Dessalines. Ensuite, on a feuilleté page d'histoire et on a posé question ça avant de continuer. Pour qui raison, en pile hommes et femmes d'affaires haïtiens et qui gagnaient soi-disant nationalité haïtienne, mais qui ont origine étrangère, pi fois nan yo, yo c'est consul honoraire d'un pays étranger dans le pays d'Haïti. Et ce type de monde sa yo, qui commerçant, qui toujours a importé, c'est-à-dire Haïti, Haïtien, toujours Goncob, l'a voué dans le pays étranger avec monde sa yo. En pile nan yo, yo c'est consul honoraire plusieurs pays étrangers. Et diplomatie, c'est qui s'allie, lorsque on consul un pays, si on voyait moi-même Amos Dubois en consul haïtien dans le pays étranger, ou au moins, c'est développer. C'est vendre image pays, c'est développer business pays à l'autre pays étranger, c'est chercher des investissements. C'est-à-dire, c'est propre haïtien hein, qu'al chercher produits dans l'autre pays étranger, des fois produits importés, pour venir vendre nous, et nous toujours Goncob, n'a pas voulu aller. Wilkie, bien-aimé, bonjour et bonsoir. Nous avons fait point ça pour nous, pour nous capables de comprendre et apprendre ce qui a passé et qui côté nous sorti pour nous arriver là. Nous avons un troisième point, 7 février 1986. On a utilisé l'Église catholique et théologie de la libération, TKL Saint-Jean Bosco, pour te renverser pouvoir d'alors qui c'est Jean-Claude Duvalier sous prétexte la démocratie. Et manœuvre ça, nous pouvons le comprendre, c'était une façon pour être capable d'induire, introduire, faire l'introduction et l'apologie du désordre généralisé. Tout a commencé à partir du 7 février 1986. Et pourquoi Jean-Claude Duvalier était obligé de partir? Tout simplement, c'est parce que Jean-Claude Duvalier a commencé à parler manier question mine, pays d'Haïti. Nous pouvons comprendre. On a utilisé l'Église catholique, on a utilisé la jeunesse à l'époque, sous prétexte, n'a pas coupé tête ma coûte,
n'a fait des choucages, n'a boulé moun, et puis pays après le chapé. Désordre généralisé, entrer dans le pays ça. Toujours est-il, en 1991, coup d'État, Aristide parti en exil. Pendant l'exil, il pral fait en pile lobby et il pral fait appel à une force étrangère américaine, à peu près 20 000 soldats pour le retourner sous sol pays d'Haïti. Pendant que M. militaire, il a piafé et pour capable justifier l'occupation, la CIA et tant d'autres éléments gênants qui c'est des vecteurs perturbateurs de la stabilité sociale, politique, économique haïtienne, yo pral construit un mouvement criminel, un mouvement kamikaze qui les frappe en façon pour justifier leur intervention militaire. C'est pour vous dire que bagay yo pas traité comme ça. Eh bien, au fur et à mesure, nous pouvons connaître qui piège que nous prend et combien de types de monde. Je dis en cas prend pause, yo c'est des bienfaiteurs, des bienfaiseurs, yo c'est des orientateurs, mais ils ne sont que des perturbateurs. Josiane, bonsoir et bonjour. On se poursuit. Ah ben, l'occupation américaine en 1994, avec la venue, le retour de Jean-Bertrand Aristide, c'est pour aller un coup dur. Toujours, communauté internationale là, tu es toujours gagné en complice. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui toujours jouent le rôle d'alibi ça, de facilitateur ça à force étrangère ou intervention multinationale. Les Américains entrés, ils ont mené Aristide, à qui profite cette intervention, point d'interrogation. N'a poursuivre, n'a feuilleté page d'histoire, parce qu'il faut nous faire comprendre et pour qu'apprendre. En 2000, Aristide organisait l'élection, il prend tout siège. Il te dit non, il n'est pas d'accord. Ah ben, automatiquement, il peut construire une opposition à Aristide à partir de Maître Gérard Gourgues. Eh bien, il y a que l'opposition ça pas qu'à faire travail la marché. Il peut mettre mouvement 184. Et de mouvement 184 peut construire un mouvement étudiant, GNB. Et de GNB, Aristide lui-même peut construire Ratpakaka et il peut armer ses gangs. Et puis, ça n'a pas suffi. Ils ont créé un mouvement paramilitaire sous force, force rebelle, l'armée, Fauconnois, contre les assaillants. Fauconnois, c'était et certains policiers avec des mercenaires que pouvoir la SAPRA l'utiliser pour capable tout qu'ils avec les messieurs militaires. Et nous pouvons le connaître, 29 février 2004, Aristide pral encore reparti en exil et il pral banou yon lot force, MINUSTAH, et quelques temps plus tard, Gérard Latortue pral dépêcher pour venir accomplir yon mission ad hoc, et en fin accompli mission, il pral retourner avec Zelkat René Préval, toujours sous l'occupation force multinationale. L'histoire se répète sur les lieux mêmes de l'histoire. Et c'est pour ça que nous demandons partager l'émission ça par le maximum de monde pour une fois comprendre ce qui a passé dans la rue pour tout point de vue. Mesdames, Messieurs, nous obligés armer nous de courage parce que si nous pas dit, l'histoire a condamné, une conscience nous a condamné, puisque nous sommes à quelques heures ou à quelques jours d'une nouvelle occupation étrangère. J'ai été toujours un défenseur, mais pas un capable de dire un monde qui fait semblant
Et puis, quatre machettes en cours, il y a téléguidé là avec un remote control. Et c'est pour ça que faut une conviction, faut une colonne vertébrale, faut pas un patron. Nous ne sommes pas monnayés. Et c'est pour ça que nous avons courage pour nous capables de partager. Il faut comprendre. Il faut apprendre. Nous sommes à l'heure de grandes décisions, non pas M. Amos Dubois. Partager l'émission. Qui côté nous y est et qui s'est passé dans le pays? L'actuel Premier ministre, M. Ariel Henry, m'a considéré le temps qu'il y a un from. Il y a un from, n'importe vent brotel. Ah ben, il y a un monde qui mettait force, li, courage, li. Et c'est ça que fait là. Monsieur qui t'a partagé, qui t'a divisé longtemps, yo. Ah ben, c'est au même jour en là, qui gagne monopole de réalité en amène. Et il a composé avec Ariel. Et c'est au même qui t'a à bataille contre Jovenel depuis 2017 jusqu'à ce qu'il ait assassiné. Il fallait assassiner un président pour capable justifier l'occupation. Le Premier ministre sait très bien qu'il ne peut rien faire et qu'il ne pourra rien faire. Et il faut arriver à ce carrefour de l'occupation parce que nous avons bêtisé, nous avons raté trois révolutions, comme a dit Ronny Durand. La révolution politique, la révolution culturelle et la révolution économique. Ça qu'on doit connaître, la classe politique haïtienne n'existe pas. C'est un paquet de parasites qui vivent de nègres qui ont fait goutte dans la main. Quelle est la mission de Ariel? C'est faire passer le temps avec l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel. Mais la mort du président Jovenel, c'est la mort spaghetti. Je ne vais pas parler là, je vous dis, parce que je prends temps pour me parler nous, de la mort Jovenel. Je ne pas croire que je tellement ouvri pas ça, parce que il y a des choses qui sont plus importantes pour me capable de faire nous comprendre rapide. Effectivement, Ariel a gagné une mission, c'est empêcher à ce que l'enquête se poursuit. Même en semblant d'enquête, Ariel n'a pas fait. C'est-à-dire, c'est faire passer le temps. Comme le président américain John Fitzgerald Kennedy n'a pas eu de justice, ah ben Jovenel aussi n'aura pas de justice, c'est fini. C'est fini pour lui. Et sans monde comprendre que le problème de justice, c'est faux. Parce que les choses sont beaucoup, très, très nombreuses. J'avais tout dit, hein. Vous n'avez pas prêté attention. J'avais tout dit. Et je ne vais pas recommencer encore. Je ne vais pas retourner en arrière. Je vais dire, nous, toutes les bagailles n'ont pas de comprendre. Et c'est pour ça que je vais dire, non. Tout le monde qui travaille dans la bande Conseil Jovenel, ce sont une bande moribonde. Ils ont occasionné, ils ont favorisé l'assassinat de leur président. Et ça me dit en l'effort, et je parle en connaissance de cause. Ce sont des petits bluffeurs qui t'a pris l'agent Jovenel, qui t'a fait l'agent Jovenel, mais qui n'a pas aidé Jovenel, non, merde. Et yo bay Jovenel menti. Et premier héros, yo pral fait Jovenel fait, yo pral tout le monde qui était militant, voter Jovenel, yo pral fait Jovenel, mettez tout dehors, sans que Jovenel pas même rendre ni compte que mettez dehors. Bref. En quittant la question Jovenel là, en aller. Le rôle d'Ariel, nous pouvons considérer Ariel, M. Ariel Henry, comme un faume. Nèg qui a fait politique dans SDP qui a bataille contre Jovenel, c'est deux équipes SDP qui a bataille, je dis là. C'est deux équipes mafia qui a bataille à Jovenel, yon râle dra plus, je ne dis, il y a bataille dans la rue. À qui profite mouvement qui est dans la rue? M'tende, je dis là,
et m'ka dit m'bien li pas zanmi même bien avec monsieur Luc Néandésir. Monsieur font déclaration matin, hein? M'a demandé que monsieur est-ce que li pas réfléchi, parce que lorsque leader d'opinion, avant ou répéter un bagage, il faut balancer, et surtout ou gain et notion d'éthique journalistique là, et même sur le plan politique. Ou pas doué lâcher n'importe bagaille. Et c'est pour ça que me dit non pays a vidé le pas de monde encore. Le peuple haïtien hein, est censé avorter. Parce que dans la rue, hein, le peuple haïtien n'a pas de leader. Il a seulement des vedettes politiques. Il n'a pas des orientateurs, il n'a pas d'éclaireurs. Et c'est pour ça que le peuple a le grand goût. Il y a camouflé vraie vérité yo, pour yo montrer que son mouvement grand goût seulement gagne de yo. Hein. Son mouvement gaz qui vient dehors, la question qu'on doit se poser pour ne pas oublier, est-ce qu'effectivement, il y a un gaz dans le terminal Varoui? Point d'interrogation. Et deuxième petite question qu'on a posée, il y a deux terminales, il y a Thor, il y a Varoui. Mais pourquoi on ne parle pas de Thor? Point d'interrogation. Jovenel te dit nous combien de monde, combien de secteurs qui n'ont pas fait gaz là. On a continué. Même vous qui fait philo, hein? Même vous qui fait philo. Mesdames, messieurs, nous sommes à l'heure de grandes décisions, non pas M. Amos Dubois-Rand. Il y a un monde dans le pays. Ok? Peut-être nous pas attendez. Yo. Yo ka choisi pas parler. Yo ka déçu. Mais il y a un monde dans le pays. Qui ça nous comprend? Depuis quelques temps, médias sociaux sont occupés par des personnes qui ont l'évangile qui font quoi? Et qui montait, qui parle au monde mal, et puis pendant la parole au monde là où elles font quoi? Où elles switch? C'est parce que ni monde qui est dans les médias traditionnels, et ni monde qui est sous plateforme internet que nous les médias sociaux, il faut nous prendre pile précaution à message à véhiculer. Parce que ce sont des détracteurs. Ils ont là seulement pour détourner nous de l'opinion publique. Le mouvement, c'est pour mouvement grand goût seulement. Oui, le peuple a faim. Parce que nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire. Nous sommes dans le chômage. Les gens qui travaillent dans le parc industriel, ils travaillent pour un plat manger. Les gens qui ont touché 15 ans, ils n'ont pas même un corps pour payer. Machin. C'est pour vous dire que pas de travail. Oui, effectivement, mes parents, ma famille, ils ont grand goût. Famille nous en Haïti. Famille nous dans la province yo grand goût, c'est vrai. Mais nous pas qu'à dire, n'a fait un mouvement pour nous voyer Ariel aller parce que nous grand goût. Nous pas qu'à dire, n'a fait un mouvement parce que pas gain gaz. Mouvement gaz là, c'est un faux problème. Est-ce que Ariel pas connaît effectivement dès qu'elle t'est monté gaz là, ces situations ça que t'as pas répété et pour faciliter la mission secrète que au t'balé. Nous qu'a dit jusqu'à présent, oui, analyse nous fait à l'Ikakembe. Ou dit, ouais, Jovenel, te mette 7 dollars sous Gaza, qui ça te passé? Nous prenons dans un secteur économique mafia. Et c'est pour ça, François Duvalier, l'été, yon régulateur, n'est pas de café, ça en voulait. Parce que n'est jodi là qui a monopole, qui ça ou t'a fait dans pleine du cul de sac là? C'est du riz que tu as planté. C'est tomate que tu as planté. François Duvalier n'a pas de bas au doigt, ça. Il n'y a pas de gain business. Tout business est pour yo. François Duvalier t'a créé, soi-disant, une bourgeoisie noire. Moi-même, je ne pas pour une faire apologie, la promotion de nègre en haut, nègre en bas. Je ne pas pour faire promotion de nègre tête graine, nègre cheveux si haut. Non. Moi-même, je pour la symbiose. Il nous faut tout le monde. Dans la lutte, nous avons des mulats, des noirs, des boussales, des pieds à terre, des tout le monde. C'est vrai, nous avons de la traîtrise avec l'assassinat de l'empereur. Mais je dis en là, force peuple haïtien, c'est tout. Que vous soyez mulat, que vous soyez syro-libanais, on nous refonde. Luc Néandésir, je dis en, monsieur fait appel, il dit que, au lieu pour nous prendre une occupation étrangère, vaut mieux nous t'a composé avec bande armée pour changer les données. Bande armée, yo pas fait activité criminelle yo par occasion. C'est vrai,
En Colombie, il y a FARC qui s'efforce, armée révolutionnaire colombienne. FARC, c'est une force qui fait kidnapping pour jouer un moyen pour le faire travailler. Mais ce n'est pas même genre avec FARC. Ça gagne là dans Port-au-Prince. Ça ISO à Banon. Ça 400 Maozo à Banon. Ça l'autre yo Christo à Banon, j'en passe. Ce n'est pas possible. Pour jodi en là, pour crime qui fait, pour kidnapping qui fait, pour nous faire éloge des gangs armés. Et si nous sommes intelligents, et nous te dit ça, nous avons cherché amnistie pour le peuple, nous avons rappelé l'OTAN, nous avons mis au peuple. Gardez pour nous qui ça a fait dans la manifestation. Jodi jusqu'à jodi, il y a une manifestation à Pétionville, nous avons pris gaz, nous avons pris balle. Est-ce que nous avons le peuple tiré sur la police? Non. Peuple a connu ça, le peuple a connu ça, le connaît la police là pour servir et protéger. Mais ce n'est pas protéger un petit groupe. Je ne suis pas d'accord à ce que la police dit que m'a protégé peuple seulement. Alors là, on dit peuple, bah peuple seulement. La police a pour protéger tout le monde sans distinction. Tout le monde supposé sur le même piédestal. Est-ce que c'est ça fait? Non. Eh bien, là oui, hein. Yo mettez nous dans une situation de non-retour. La différence dans l'époque, ça nous est là, c'est que le secteur économique mafia haïtien n'a pas commandé l'occupation, hein, parce que l'occupation n'a pas bon boulot. Ah oui, l'occupation n'a pas bon boulot. Parce qu'il y a besoin de contrôler les douanes. Il y a besoin d'entrer bateaux aux âmes. Ali Derilus, il y a besoin de rentrer à Coué-Coué. Avec une force occupation étrangère, ou un ministre, ou un mérin, ou un directeur douane, ou un mérin, ou un douf, si on n'a pas capacité. Vous êtes sur leur domination. Secteur économique-là, pas favorable à une occupation. Parce qu'il faut le café beurre. Peuple-là, déjà le bandé, mais gon trou nan bandage li gon ti fuit li wè peuple la yo ting ting ni pou le mande occupation izo ap simen bal 400 maozo ap simen bal barbecue ap simen bal kris ap simen bal l'état ap simen bal secteur privé ap simen bal tout moun ap simen bal l'église ap simen bal sou peuple la y a tant yo a gassé peuple la pou le mande occupation le peuple haïtien est assez. Cette fois-ci, les gonti intelligence, tout petit sujet, me dit nous-mêmes, bouki fait filo, peuple n'a pas demandé occupation. Ah ben, il fallait à ce que Ariel, avant-hier, n'a discours les mandels. Parce que plan pas qu'à arrêter tant encore. Bouik chargé pas campé. C'est bien dommage, on aide tant qu'on fait les pierres. Pour c'est ça que on va promettre comme discours. Yon homme d'État comme Ariel. Serge, au nom de l'éthique, au nom du professionnalisme, ou pas ta offri pays à ça. C'est une honte. Mes chers amis, nous sommes à l'heure de grandes décisions. Est-ce que nous songez question conteneur ZAM. Depuis quelque temps, la douane dit nous la jouen ZAM. Et la police toujours dit le problème ZAM. Qui pays sérieux ou gen douane ou gen la police gagne en unité, en service balistique armement. Pour des fois, c'est l'ambassade américaine qui a dit qu'il n'y a pas de telles armes. C'est-à-dire, pas mal tête tout menti. Nous sommes toujours sous occupation. Une présence des Marines ou bien de forces déguisées. Cette fois, c'est à mettre la République dominicaine là dans le fond, nous ça. Hein? Nous battons Bundan, nous prenons un chône pour con. Exode 14, verset 41. Alors,
L'autre exode là, exode 14, verset 41, ou bat bundor, ou a pran en chaud pour corps. L'autre exode là, il vient dans 14. Mais exode politique là, c'est dans kafou, pas jambé. Exode 14, verset 41, de pour bat bundor, ou pran en chaud pour corps. Nous bat bunda, nous trop, et nous pral pran en chaud pour corps. N'a pas avancé. Est-ce que, jodi en là, cerveau peuple haïtien le pas boule? Oui, cerveau peuple haïtien boule. Peuple haïtien t'a supposé gagner des éclaireurs. Et tout le monde qui fait, qui gagne une notion militaire, nous tout connaît, faut gagner top, faut gagner éclaireur. Dans tout côté où aller, faut gagner éclaireur parce que c'est éclaireur qui faut identifier qui côté ennemi en caché, qui ça l'a fait. Le peuple haïtien n'a pas d'éclaireur. Dans la bataille, il n'a pas d'éclaireur, ça veut dire qu'il n'a pas d'éclaireur, il est livré à lui-même. Et c'est pour ça que, je dis en là, éclaireur, c'est à des leaders. On n'a pas de leader. Nous avons que des détracteurs. Ils ont tous des cobs dans les mains. Qui cob? Cob nèg qui pa paye l'état taxe. Cob pour yo acheter ambulance. Cob pour faire cantine pour l'école Timoun. Cob pour yo subventionner l'hôpital. Cob pour yo mettre structure dans le pays. Hein? C'est comme ça. Secteur économique l'a pas payé. Et c'est comme ça ou ap jeune nèg ap gaspiller dans manifestation au Cap, dans manifestation dans Port-au-Prince. On t'a parlé de conteneurs armes. Conteneurs armes, yo la douane ap Akembe. La douane a fait un travail très sérieux depuis quelque temps. La douane Akembe, Zam, la justice pas jamais appliquée. La douane Akembe, Zam, code Zam ça au passé, ou pas jamais tendez la police bon rapport. Parce que Zam yo alvan l'autre côté. Y'a le revan yo. Y'a le revan yo à moun qui te commande yo. Mais bagarre là pral éclater à partir de sac passé Port de Paix et à partir de sac passé sous Port là. La douane a saisi ça depuis quelque temps. On pas un expert en matière douanière, en politique douanière. Mais si me pas trompé, il semblerait que depuis là où mettez question pour checker conteneur parce que un conteneur d'usage personnel, c'est encore nous-mêmes qui à l'étranger, nous gon machine, nous charger. Nous voyons le vigne en Haïti et il y a des gens qui font cargo et il y aurait le Osam quoi usage personnel. Il y a ça usage commercial. C'est ou commander un conteneur en Chine, il sait le conteneur ça, il dit, il ba ou on manifeste ça, ou tout ça qu'il a donné. Et là, il vient dans la douane, ou supposé baili, et même que le conteneur à l'Ipaname, c'est la douane qui peut ouvrir le conteneur. La douane a saisi Zam. Quand Zam ça a fait, nous ne connaissons pas. Et pour quantité Zam la douane saisi, nous t'a dit que la police n'a pas de problème Zam. Geneg, depuis quelque temps, broker n'a pas de vivre dans la douane. C'est eux-mêmes, comme ancien autorité dans l'État, qui a dédouané conteneur. Pour moun, surtout, gros zouzounio, qui gen désagrément dans le conteneur. Et nèg sa, te mande, puis yon coupe tête, tout nèg qui de haut niveau dans la douane, nan, parce que la douane empêche business y marcher. Jodi yon la, gen kob ki nan la rue, hein, pour yon parti dans le secteur mafia, parce que yon mette Ariel là, pour Ariel ba au service. Parce que nous n'avons pas de problème. Nous avons fait promotion pour assassiner le président. Et le président mourit. C'est nous qui occupons le pouvoir. Il faut ba nous service. Ariel ou plume poule la tellement de plumes. Il a racheté plume poule. Il a racheté pour poule. Il a ces zo poule là pour aller. C'est bon, bien, monde, monsieur, pas sensible pour taxer l'État. Question que nous avons posée nous. À qui ça employé l'État a touché?
À qui ça l'État a payé employé lui? C'est pour le gouvernement, comme si, je ne connais pas si c'est, yo dit, premier ministre qui a souffri maladie. Ou maladie quand même. Parce que, la douane va entrer l'argent. Et drogue là, papa, et comme on a dit que nega prend pause, c'est l'État qui est entré à utiliser des dealers pour payer. Ça n'a pas qu'à faire qu'on y a. D'où, employer l'État, 3-4 points pour qu'on a touché. Gen kob, moun ki besoin, pren monopole douane pou bat aux âmes ka toujou ap rentre. Et sa passe pour de père, se pral yon nan gros leçon parce que ki pral renverser vase la. Ba yon nan la rue, journaliste pap dil, parce que yon tout ge patron. Et map di nou à partir de la soir, méfiez-vous de moun ka fè chaud sou Facebook. Se patron yon vwe ou pale. Ki te de gauche, qui te propose de défendre Jovenel, qui a défendre secteur ça, qui te propose de shooter sous l'autre secteur, c'est patron que vous voyez. Quand soit côté viré, il y a un patron. Et c'est ça qui fait que vous mettez nous dans le camouflage ça là. Qui ça? Mais qui ça nous est là? Vous mettez nous dans le carrefour côté nous pas qu'à dire non. Parce que nous apprenons balle chaque jour. Nous pas gen moun ki pou défendre nous. Yo viole petit nous. Ou sous les kidnapping, même si c'est saucisse, c'est misé pistache ou vendre. 300 000, 1 million de dollars à mandoli. Est-ce que si occupation fait, est-ce que gang yo pap anéanti, mais ça ou réservé pour nous. Nèg te kou 26 couteaux la bannière, Dieu drilme, Ronald Cadavre. Le ministre est venu. Eh ben, le ministre est capable de mettre l'ordre en apparence de l'ordre. Eh ben, il a été éliminé, nèg sa yo. Il a été éliminé, graine par graine. Et nèg qui l'a aujourd'hui, il a pris l'éliminer, graine par graine. Au lieu pour yo te rentrer dans le peuple, il est trop tard. Et le coup, soit dit matin, il est trop tard. Il est trop tard. Pour virement, pour conversion en fait. Parce que le peuple, hein, te baille assez de temps. Te baille chance pour une conversion. Il est trop tard. Est-ce que occupation, hein, les gon façade de soulagement à pays? Oui. Ou pas tant des cartouches. Dès que 2-3 hélicoptères débarquent, c'est fini. Dans pour rite toujours gain force sous banane, c'est sous nous qui avons une force. C'est sous police qui a une force. Quoique police a les mêmes tout, les gangs, les kidnapping tout. Parce qu'en pile kidnapping, vous faites avec. Ok? Police là. Complicité, il n'y a pas qu'à réaliser aucune opération. Toute opération, il fait sortir à l'échec. Parce que même les gens de la police qui ont pris les messieurs armés, attention, il y a telle intervention pour le faire. Et nous t'ai songé ce qui s'est passé à Grand Ravine, les nègres qui ont barbecue pour quitter la police. Là. Et sur ce point, barbecue avait raison. C'est Négio qui fait barbecue côté l'hier. C'est une action qui engendre une réaction. Et c'est une réaction qui engendre une action. Est-ce que nous avons des qui parlé dans la radio, qui parlé de révolution? Soyons sérieux, chers amis. Révolution, c'est une planification. Qui élite ou gagne pour gérer une révolution? Barbecue pas qu'à faire révolution. Mais non, à moins que n'a pas joué avec Tenyo, n'a pas joué avec Moyo, n'a pas joué avec signification. Barbecue, si le gon bagay sérieux vrai dans tête li, li ka fait un soulèvement. Pas révolution.
Les barbecues disent la faire révolution. Mais non, ce n'est pas une révolution. Ou qu'a fait un soulèvement. Qui type de soulèvement? Ça, c'est vous-même qui connaissez. Nous prenons dans melting pot politique, nous creusons, nous pas gagné éclaireur. Si nous avons éclaireur, pas haïtien, t'as connu effectivement, c'est pas le boule caille, yon moun, parce que le t'es problème femme à on est dans le gouvernement. C'est pas albou le business yon nèg qui t'a vendu ri. Parce que moi-même, moi besoin de vendu ri m'bablo là. Yon utilisé gaz, yon utilisé vulnérabilité peuple là pour faire le fait dégâts. C'est à coup son timon qui pas gagné, un timon un an. Et puis, ou ballon billet, $100 américains ou fait le cadeau. Et pour qu'on ait la chérie. Et vous dites, maman, je te balle plusieurs billets, ouais, j'en chire. Je dis, son seul ou te balle ou qu'on est timon, même dis pas contre ça la dire. Je prends peuple haïtien, je boule cerveau. Après 86, nos détracteurs politiques, si vous avez des bagages dans la tête, vous tapez mené peuple haïtien dans l'école de la citoyenneté. Ou pas qu'à faire un lien avec la population, le ou pas formel civiquement. Donc, nous qu'à comprendre que l'homme dit que nèg ça aussi politique, m'abdou, mais non, ils ne sont que des démagogues. Il y a un mouvement qui a parlé, entendez, la jeunesse parle au pouvoir. Au bail jeunesse dans le pays. Qui jeunesse? Qui moun qui n'en parlement depuis 1995 dans la politique? Dans la chambre sénat, dans la chambre députée, dans le ministre, dans le ministère, dans la direction générale. Ce sont de jeunes garçons et de jeunes femmes. Qui résultat? De la merde. Nous sommes dans un système de matière fécale. Où est Jamila là? Mettez tête dans trou matière fécale système. Démagogie politique, ça, et puis les nous sortis, c'est sans matière fécale l'homme. Quel qu'elle soit, moun, qui a une bonne volonté, ou mettez-le au timon des affaires, il n'y aura pas de résultat. Pour qui ça? Parce que si nous pas fait chambardement, si nous pas fait le vrai mouvement marché pranyo, quand je parle de marché pranyo, c'est pas le déchoucage que nous prenons là. Al craser magasin moun, c'est pas ça, moi, les marché pranyo. Marché pranyo, il doit être fait de façon mentale, spirituelle. Il faut faire le chambardement de la mauvaise mentalité haïtienne. Et François Duvalier l'a dit. Que peut-on s'attendre de M. Ariel? M. Ariel, c'est une marionnette. Il prend dans trois entités Cabralil. Il y a deux entités qui tapent bataille. Contre Jovenel qui mettait le côté hier, et gon l'autre entité qui a monopole, tel qu'il en soit, gouvernement passé, yo toujours là, yo dit, yo met Ariel dans mi-temps. Comme li pas jamais gagné dans tête li, c'est vol boulé, monsieur son nègre n'a pas respiré aucun odeur, parce qu'il pas comprendre. Même moi, elle pas ouais, parce que s'il était ouais, faut le pas comprendre, dis pas ouais. Au détriment de la société haïtienne. On n'attend rien. Ce que, ouais, qu'a fait là, c'était planifié. Songez, me dis nous, pour le départ de Jean-Claude Duvalier, c'est le moyen dossier mignon, et on va utiliser l'église catholique pour capable venir soi-disant à ça où il y a une démocratie importée, mais je vous dis à côté de mener nous là, n'a boule moun, n'a poupou, n'a sachet plastique,
L'NT qu'on est bicentenaire saltéier dans les années 50, 60, 70, 80. Ah ben, je dis, hein. Côté Lionel Benjamin était fait vidéo, c'est moi Abde Noël, c'était bon Saint-Bernadette Martissant, nous voyons qui sa pays a devenu. Tout pays fait conservation. Il n'y a que seulement les acquis de François Duvalier que M. 86 yo quitté là. Et à partir de 86, ils ont commencé à bouler tout. Mais qui côté, ils ont mené nous. Il fallait renverser Jean-Claude Duvalier pour nous être capables de tomber dans des ordres généralisés. Nous parlons de coup d'État, nous parlons de frappe, nous parlons de GNB, nous parlons de faucon noir, les bandes armées rebelles, nous parlons de rat pakaka, nous parlons de gang, nous parlons de kidnapping, nous parlons d'assassinat président. Depuis quelque temps, tout nèg a fait analyse politique. Tout le monde a folie analyse politique. Pour quelle raison? C'est là qu'on l'a yé. Son business lié. Pendant ce temps, il a intoxiqué l'opinion publique là. Il a induit le peuple là en erreur. Il a tout une belle enveloppe dans la main. Et encore, c'est une autre façon de rançonner le mental haïtien. On pas prêcher violence. Mais nous pas qu'à continuer dans une tolérance de malpropreté, de méchanceté. On ne fait pas ça à un peuple. On ne fait pas ça à nos enfants. On ne fait pas ça à la jeunesse consciente, à la jeunesse pensante, à la jeunesse montante. Et c'est pour cela, ce soir, je vous invite en symbiose à une réflexion collective. Et comme a dit Jean-Claude Duvalier en France, dans un fameux discours, il se dit, c'est pas ni euro, c'est pas dollar qui a sauvé Haïti, seule la conscience nationale. L'occupation, il est trop tard pour nous épargner. Mais arrangez-vous. Si le peuple haïtien prend conscience, n'a pas capable de construire une élite consciente. Songez, me dit non, nous avons besoin d'un nouveau leader. Nous avons besoin d'une nouvelle politique. Nous avons besoin d'un nouveau dirigeant. Nous avons besoin d'un nouveau transformateur. Depuis 2000, dans toute émission, dans toute conférence que m'baille, je parle de la transformation de l'individu, de la transformation de la société. Je n'utilise pas le thème révolution. Je vais utiliser la transformation. La transformation n'est qu'à voler là-haut. N'est qu'à tout là. Ou pas pour exiler. Ou pas pour bail peine de mort. Mais ou pas retourner bail tout ça où tu prends. Il faut y penser, chers concitoyens, chères concitoyennes. Cahier idée ça à partir d'aujourd'hui. C'est notre seule issue avec l'occupation. Premièrement, il nous faut une conscience collective qui pourra le déboucher sur la conscience nationale et pour construire le nouveau haïtien. Si vous ne construisez pas le nouveau haïtien, vous ne pouvez pas avoir la possibilité d'entamer la marche de la conscience nationale. Conscience nationale, il faut gagner récondant. Conscience nationale, faut une colonne vertébrale. Conscience nationale, faut pas prendre enveloppe. Conscience nationale, faut pas un petit job en bas table. Conscience nationale, faut lucide et logique. Nous avons besoin de nouveaux propulseurs, de nouvelles transformatrices, d'idées, pensées, et puis actions, de bonnes actions.
On n'a plus de représentants à l'ONU dès ce soir. On n'a plus de représentants à la primature dès ce soir. On n'a plus de vecteurs, on n'a plus de journalistes dans la presse. On n'a plus de pasteurs, on n'a plus de prêtres. On n'a plus de professeurs. On n'a plus de citoyens. Nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est l'anarchie totale. Je vous invite à scruter d'horizon, de nouveaux horizons. Si vous comptez manifester, faites bien intelligemment. Ne vous laissez pas emporter par l'intoxication de nos acteurs mafieux. Parce que tout, Geneg, c'est douane qui n'a poche. Geneg, c'est business drogue qui n'a tête. Geneg, c'est frontière qui n'a tête. Il y a besoin de monopole. Geneg, c'est monopole électricité au besoin. Geneg, c'est monopole construction route au besoin. Geneg, c'est rentrer dans le Parlement pour aller faire beurre. Parce qu'il y a un problème. 11 pantalons, puis il y a une douzaine. Dès qu'ils arrivent dans le Parlement, ils auront des dizaines de centaines de milliers. On a vu, ils étaient à deux pots derrière. Ils arrivaient dans la Chambre des députés. Ils arrivaient dans le Sénat. Ils sont riches. C'est le seul pays, ils ont un pot derrière. Ils ont rentré dans le job quelques temps quand ils ont construit. Je connais un ministre, je ne vais pas citer Nol. Pendant que monsieur ministre, il était un caille, il construit l'autre caille. Il fait une piscine, et puis l'aile rivée quand on s'amène, il y a une céramique, et j'ai une piscine, il a fait là, il crase pas là, il change de céramique là. Et où t'as pris un salaire, un ministre, ou pas dans deux ans, quand M. Jeune Cob les payer pour le faire ça. Bref, ça c'est un petit exemple. Nous entendez comment ça passait dans Rona, comment ça passait de l'autre côté. Ce qui est important aujourd'hui, puisque nous sommes à l'heure de grandes décisions, nous sommes à quelques heures d'une occupation étrangère. La première chose à faire, c'est pour nous entendre. Non. Parce que division, c'est ça ennemi en besoin. Nous tellement divisés, c'est pas américain, c'est pas français qui a tué nous, Matissa. C'est pas américain, c'est pas Canada, c'est pas la France qui a tué nous, quoi, des bouquets. Qui a tué nous, Delma de Bel Air. Qui a tué nous, Cafou Aviation. Qui a tué nous, Cité Soleil. Ce sont nos frères. C'est propre nous-mêmes qui a tué nous-mêmes. Nos ennemis, il y a bat bravo. Il y a bat bravo parce que nos mines sont là. Ils ont besoin de payer. Ils ont fait nous, on a tué l'autre. Et nous-mêmes comme imbéciles. Si nous arrivons à mettre tête nous ensemble, à cette symbiose, pour nous passer à une conscience nationale, pour nous construire le nouveau haïtien, le ça, n'a pas assez de force. Parce que toute occupation étrangère, force occupante l'a toujours perdu. La preuve en est bien grande, les États-Unis, au Cambodge, en Irak, en Afghanistan. Comme les Russes en Afghanistan. Vietnam. Ils ont perdu le combat. Je dis un temps d'y évoluer. Nous avons le travail nos cafés. Nous pas qu'à retourner avec le caco. Nous pas qu'à retourner à mouvement Chalmaï Peralt. Non. Mais nous avons seuls âmes nos cafés. La conscience nationale. Ou c'est frême, ou c'est chum, on met tes mains. On construit nouveau demeure. On construit nouveau chemin haïtien. Comme ça, demain va plus belle. Question. Mandé, nèg gang pour mettre à peuple là, il est trop tard.
Pas ben nous ça comme exemple. On n'a pas d'éclaireur. Si nous avons gagné des acteurs sérieux dans la politique, nous avons fait éclaireur. Qui discours politicien, entendez? Faux. Nèg Cap Donald T. Roche, Nèg Cap Donald fait mes potes de banque. Pendant ce temps, c'est Nèg Banque qui t'a financé campagne. Nèg Cap Dou, en a shooté. Écoute, de un mouvement qui a passé dans le pays, là, pas prendre la démarcation, ça y est. Nous, c'est seul peuple qui prend drapeau de l'autre pays, nous monter, et puis nous battre bravo. Drapeau de peuple, c'est symbole, c'est fierté. Et c'est pour ça, militaire américain, l'aile en guerre. Et les libéral perdent du bataille dans la zone côté lié, hein, la première chose, il faut le plier drapeau. Parce que drapeau, il n'y a pas de quitter. Combien nous mêmes haïtiens qui flottent drapeau, la caïnon. Combien nous qui apprennent hymne national pays. Sous François Duvalier, il a monté drapeau, pas campé, il a arrêté où? Et c'est le seul pays côté un démagogue politique qui a allé sous site historique pays en Vertière pour le descendre drapeau. Moi, Amos Dubois, magistrat communal, moi, Kazek, ma paré tout. Je tape Kazek seulement dans la juridiction où tu fais ça, ma paré tout. Parce que le drapeau, c'est le symbole. Si on voulait changer le couleur drapeau, ça, c'est seul la constitution et au café, à travers de une loi. Mais, ou pas qu'à venir descendre sous prétexte, c'est drapeau, il n'y a pas de drapeau de Saline. Il n'y a pas de drapeau de Saline et pour te prêter serment sous lit. Comme sénateur, il n'y a pas de drapeau de Saline et pour te prêter serment sous lit. Comme maire, ça c'est de la pure démagogie. Moi, on tape magistrat communal, on tape arrêté. Et nous t'a foutu dans la prison. Comme traite, parce que ou pas de droit, souillé drapeau pays. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai tenté de devenir une autorité. Mais, nous t'a fait ici, ma chérie. Qu'un grain dans des yeux, bon, me fait ici, ma chérie. À la manière du docteur François Duvalier. Et c'est ça que fait, dis-nous. C'est ça que fait nous, dans la nouvelle transformation, hein, nous avons besoin des jeunes garçons, des jeunes femmes pour nous foutre payer en coup de François Duvalier. On François Duvalier, revue, corrigée, rigueur, l'ordre, discipline. Combien de coups d'État François Duvalier te recevoir? Okay. François Duvalier révoqué au ministre. Pour yon choc, li fait de 2 gouttes 50. Combien de ministres nous gagnent qu'à voler? Combien de directeurs nous gagnent qu'à piller qu'est-ce l'État? En rien pas fait. Mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de grandes décisions. Non pas, c'est Amos Dubois. Il y a un phénomène qui a parlé là, qui a passé dans le pays d'Haïti. Un pile jeune garçon prend drapeau là où ici a monté. Qui ça là où ici t'es fait pour vous? Qui ça là où ici a fait pour vous? Même Jean Tout, qui ça, drapeau américain fait pour vous? Sous pas mes pays où, la Russie prendrait mes pays pour vous, les États-Unis prendraient mes pays pour vous, la France prendrait mes pays pour vous, le Canada prendrait mes pays pour vous. Haïtien m'a dit non bagay. En pile fois, nous méchants pour peut-être non. Nous pas baler devant la caille, non? N'attendons notre pays pour le baler le bonhomme. Est-ce que c'est la France qui a crasé qu'est-ce l'État ou avec nous? Machine police nationale, nous qu'on a le 25 domaine, les offens cadeaux. Est-ce que c'est Américain qui a le 20 avec nous? Les Obanon aide, nous détourner comme là. Est-ce que c'est eux qui détournent avec nous? En pile fois, oui. Mais c'est eux-mêmes qui choisissent. Ils ont beaucoup pour faire route. Dans la communauté européenne, et puis vous choisissez un firme, un consortium, Santo Domingo, Espagne, Italie. Là, tu vas à la fête. Toujours sorti Santo Domingo. Stella, Guilla, et j'en passe. Elle s'annexe.
OK. Aujourd'hui, nous prenons Namira. Et comme a dit Serge Boulieu, nous sommes à un carrefour de non-retour. Moun kap monte drapeau la Russie, yo. C'est très méchant. La Russie pas parler de rien pour vous. OK? La Russie pas parler de rien pour vous. La Grande Chine pas parler de rien pour vous. Taïwan pas parler de rien pour vous. La France pas parler de rien pour vous. Le Canada, les États-Unis pas parler de rien pour vous. C'est nous. Et pour le cas nous, faut nous chita en symbiose. Et c'est pour ça que je vous parle de la transformation, la conscience nationale. Quand ce jour arrivera, nous aurons pour nous chita ensemble, pour nous apprendre remet pays nous, pour nous quitter complexe, pour nous valoriser culture la caille. Musique la caille. Haïtien, pas chanter Haïti. Haïtien, pas aimer Haïti. Et c'est depuis l'école, il n'y a pas apprendre nous. Professeur apprend nous comme esclaves. Les humilier. Si on élève pas dépasser professeur, pas de progrès. Professeur ne parle nous dépasser. Il faut changer cette mentalité, mes chers amis. On n'a pas d'université. On n'a pas de société. En 1960, les pays africains apprennent l'indépendance. Le Togo, le Bénin, le Sénégal, Guinée. C'est nous-mêmes, Haïti, qui t'a puisé dans le laboratoire intelligentsia. Nous t'ai voyé des cadres aller dans le pays. Aujourd'hui, qui sa université noire devenue? La mer. Qui sa jeunesse noire devenue? Je vous le dis encore. À partir de maintenant, je vous le dis, frères et sœurs, chers compatriotes, vous n'avez plus de classe politique. Vous n'avez pas d'ambassadeur. Vous n'avez pas de premier ministre. Vous n'avez pas de dirigeant. Le pays est livré à lui-même. Vous êtes seul. La seule façon, les messieurs d'où à la manifestation, faut réfléchir. Moi, pourquoi j'aime participer à nos manifestations pour voir le gouvernement ici aller? Pour quelle raison? Parce que moi, toujours qu'on est, c'est un mouvement téléguidé. Peuple haïtien, moment arrivé, je dis en là, pour suspendre, quitter au métaux devant. Moment arrivé pour prendre conscience, pour faire vrai lever campéen. Moment arrivé pour nous prendre conscience, d'abord, n'a prend conscience, n'a chita, n'a concerté, n'a cherché qui m'a gouillé, qui n'a média, qui est-ce qui est dans la télévision, qui est-ce qui derrière micro, téléphone, médias sociaux, qui gagne comme dans mes mounes, qui gagne comme électricité, qui gagne comme Jovenel PHTK, qui gagne comme Ariel, qui gagne comme SDP, qui gagne comme sénateur, qui gagne comme ONA, qui gagne comme tout dans mes yo, et puis qui cachait Kabdo, aller devant, aller téléguider, qui gagne comme douane, qui gagne nègre, qui gagne comme cap circuler là, c'est comme douane pour occuper la douane. Pour occuper toute douane frontière, yo. Pour occuper toute zone franche. Ok? Jeunesse de mon pays. Et je m'a réédité cette phrase avant de vous dire au revoir. Jeunesse de mon pays. Vous êtes le gardien de la République. Sachez que vous n'avez pas de leader. Vous n'avez que des vedettes politiques. Ne vous laissez pas emporter par le stratagème
par le mensonge à nous concerter pour nous faire un vrai lever campé. Ariel, ses plans occupationnels, il vient régler la mission censée presque finie pour accompli, remettre devoir où tu voulais le faire. Il fallait assassiner un président. Il fallait augmenter l'insécurité. Il fallait que pour faire nous yon attiré à Clotte. Il est trop tard pour les gangs armés puissent rejoindre nous. Nos sangs de nos frères, de nos sœurs, la progéniture de nos mères, de nos cousines, de nos femmes, kidnappées, violées. M'a regardé une vidéo qui virale côté a violé un jeune garçon dans la prison dans le pays d'Haïti. Quand toutes ces images espacent notre conscience, comment notre intelligence pas servir de bouclier et pour nous dire en avant, pour le grand chambardement, pour le grand marché pranio. Il nous faut un nouveau leader, un nouveau discours. C'est ni l'euro, ni le dollar qui a sauvé la République noire. Seul, ils ont tête collée, ils ont conscience nationale. Merci de m'avoir écouté avec fidélité et sincérité. Tel a été mon message pour ce soir. Amos Dubois-Rand, le rassembleur. Le téléphone, c'est le 38 69 75 36 509 38 69 75 36 via Messenger, via WhatsApp, sous tablé. Nous continuons font y parler. Et si tu as un bagage que moi dit tout, qui t'a supposé corriger, et puis, si tu excuse un bagage que me dit pas de deal, me retirer chapeau et je vous présente toutes mes excuses. Je vous aime. Une autre Haïti n'est pas trop loin. Patience, conscience pour une génération montante, une génération pensante. Au revoir.